Allez, ice cream. Eh? Je sais pas. Christ, ça veut bande de chômeurs. N'importe quoi, comment ça se fait? Yes, partout dans le monde, c'est en train d'applaudir les aides-soignants et les médecins qui sauvent les patients du coronavirus. Et chez moi, bah... Yes, vive le 93. Bravo! Ok, d'accord, yes. Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Apparemment, un garçon qui se maquille va aller en enfer. Donc, est-ce que je vais aller au Shaitan? Est-ce que j'ai ma place de prison? Sans... Bon, écoutez, moi, je quitte les lieux avant que les lieux me quittent, là, parce que là... Une poignée de main, est-ce raisonnable durant la crise du Covid-19? Les téléphones portables ont-ils modifié notre manière de faire chier son prochain? Les pantalons à carreaux, découvrez la dernière évolution de la nappe à pique-nique. Oh, putain, oh. Et où? La décoloration... Bah, non mais c'est bon, tu me... Qui veut des biscuits au caca? Il est con. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le confinement, je t'ai dit qu'on avait le droit d'inviter personne. Mais c'est ma copine, madame Hazelfrance. Mais je m'en fiche. Madame, je suis désolé, je vais vous demander de sortir. Oh, pardon. William, tu peux me prêter un stylo, s'il te plaît? Ouais, tu veux quelle couleur? Noir, c'est bien. Noir. Vas-y, tiens. Merci, tu gères, frère. De rien, t'inquiète. Je me prête un stylo, je te mets dans le cul. Non, non, mais c'est faux, monsieur. Tiens, je te le rends, ton stylo. Ah, je vais vous rendre les évaluations. Tu vas voir, j'ai 20, j'ai tout copié sur Mathieu. Alors, Mathieu, 19, très bon travail, comme d'habitude. Alors, William, 0. Comment ça, 0? Tu quoi? T'as cru que j'étais bête, moi, que j'allais pas voir que t'as triché? Mais j'ai pas triché. Arrête de me prendre pour un con, t'as fait exactement les mêmes fautes que Mathieu. Ouais, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas lui qui a triché sur moi? Parce que t'as même pas mis ton nom de famille, t'as mis celui de Mathieu. Ah ouais, merde. Je me dis, mais même pour tricher, j'ai des élèves nuls. Mais je suis pas nul, frère. Tu es nul. Est-ce que j'ai le coronavirus? Il y a un filtre sur Snap qui dit si t'as le corona ou pas. Du coup, est-ce que je l'ai? Oh Seigneur Marie-Christelle! Gars, j'ai reçu un petit cadeau. Et ce cadeau, c'est tout simplement une coque anti-fille jalouse. On peut pas regarder sur les côtés. Évidemment, Juju n'est pas au courant. On va voir comment elle réagit. Tu fais quoi? Bah rien, je suis sur mon tel et toi? Mais t'es pas sur son tel, je vois rien là. Si, je suis sur mon tel. C'est quoi? C'est... Pourquoi c'est noir? C'est une nouvelle coque. C'est une coque anti-fille comme toi, anti-espionnage, justement pour pas qu'on puisse voir comme ça sur le Tu vois, je le savais. Non, mais voilà, non, mais tu me caches des trucs. En vrai, c'est pour des, dans les transports mais en commun. Trop bon, bah, tu sais quoi? Et si je fais pareil, quoi? Voilà, je vais me l'acheter. Non, surtout pas, par contre. Le premier qui se lève, là, ça serait bien qu'il débarrasse la table. Moi je comprends pas, pourquoi vous voulez que j'enlève ma casquette pour vous montrer mon crâne? Vous voulez que je vous montre mes cheveux? Vous voulez que je vous montre le carnage? Ok, on va montrer. Regardez, j'enlève la casquette, il reste plus rien, d'accord? Ça c'est un crâne, on dirait un œuf. Mais non, comme ça on dirait un coq. Je vais chercher du gel. Je vais mettre une tonne de gel dans mes cheveux. Comme ça on dirait que j'ai un caca posé sur la tête. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Je ressemble à un coq. Un coq. Non, ça c'est l'âne. Cocorico. Appelez la pub là. Où il prenait le gel et il frottait sur les murs. Eh, la vie de ma mère, j'arrive à casser la télé. J'ai fait une grosse trace. Bonjour. Bonjour. Tu peux venir voir? Et le petit cadeau? Est-ce que c'est des pâtes que t'as plantées dans ce pot? Oui, regarde.
Regarde ces misérables spaghettis, ils poussent pas. Ils veulent pas pousser. Ça fait 3 jours de confinement que j'ai poussé plein. Ah maman! J'ai la plus belle copine au monde, check. Elle arrive, elle va arriver. Elle est là. Netflix, ils ont un moteur de recherche de zinzin. Ils te mettent un faux espoir parce que tu recherches un film, ils te le proposent comme s'ils l'avaient. Je tape Tim, dis-moi, dis pas plus. Titanic, excellent choix. Mais on l'a pas. Je vais faire comme eux avec mes potes. Tu veux un truc à manger, des cookies peut-être, ouais? Eh ben, j'en ai pas. Yo, Dad. What up, honey? If you can catch this credit card with your head, I'll let you buy anything you want with it for the entire week, okay? Yeah. Ready? Yep. On. Ready? Yep. 3, 2, 1. Oh my god, je suis obligé de mettre des serviettes parce que ça fuit par les tuyaux tout là. Donc vous m'avez tous dit de tirer la chasse d'eau. Donc je vais le faire. J'en peux vraiment plus. Je vais attendre 10 minutes comme vous m'avez dit. Donc voilà, j'attends 10 minutes. Regardez les bruits, c'est trop chelou les bruits. Regardez. Oh my god, tout est coincé dans les tuyaux, dans les canalisations et tout. I'm gonna give it a banana. Here. Do you like that? Apparemment, tu m'aimes pas. C'est une que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. Mais moi, je m'appelle Weshden. Tu prends tes calcules et tu hors de ma vue. Si t'as un problème, je suis là, hein. T'inquiète. Hein. Approche-toi, s'il te plaît. Non, mais vas-y, sérieux, joue le jeu. Approche-toi du téléphone. Approche-toi encore un tout petit peu plus. Ouais, c'est ce que je pensais. T'es moche. Albert, t'es bien là? En roulant avec ta voiture? Tu voulais pas emmener Christine? Regardez-la, elle est jalouse. Albert, t'es bien là dans ta Ferrari, là? Ouais, tranquille. Ah, tu vas prendre le mur! Albert, t'as fait un accident! Arrête de tirer la tronche tout le temps, je te jure, c'est... Tu veux pas sourire à la vie? Bah, je souris. Non, tu souris pas. Mais non, tu fais des conneries, là. Bonjour, je peux vous aider? Ouais, j'aimerais bien essayer cette paire en 43, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Ah, tenez. Merci. Oh là 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 là, elles vous vont super bien. Ah ouais, vous trouvez? Bon bah ok, je la prends. Top. Alors je vous conseille de prendre une paire de semelles pour vous sentir à l'aise. Ça, non merci, ça va aller. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a aussi la gomme antitrace et là c'est fluorescent. Hein? Bon, antipuanteur, vous puez des pieds? Est-ce que vous puez des pieds? Non. D'accord, je vous mets tout ça à la caisse. Bonjour, je vais vous payer en carte s'il vous plaît. Ça vous fera un total de 699,99€. Pardon? Quand je viens à la mer, j'aime bien crier très clairement. Ah, et tout, oui, et tout. Et tout, oui. Ok Google, est-ce que tu peux roter? Un poète a écrit, le Rhône est qu'un paix qui a pris l'ascenseur.